Bonjour, Eric Alberto, coach chez Private Coach. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment travailler son système cardiovasculaire dans le cadre de la préparation pour le ski. Alors, pourquoi renforcer le système cardiovasculaire? Beaucoup de gens pensent qu'il faut simplement renforcer les muscles, souvent des cuisses, pour préparer sa semaine au ski, alors que le système cardiovasculaire reste la base de tout ce travail. Le système cardiovasculaire est l'association du cœur et des poumons à l'effort. Je vais vous expliquer donc pourquoi le travailler et comment le travailler. Ce système aérobie, donc on appelle plus communément l'endurance, est utile et indispensable pour passer une bonne semaine au ski. Première option, vous êtes sportif, régulier et aguerri. Il vous faudra à peu près 6 semaines au préalable, avant votre départ, commencer à développer son endurance et son système aérobie. Comment? Par 2 à 3 sorties à l'extérieur ou en salle de fitness ou en salle de gym, sur des exercices comme le tapis, l'elliptique ou encore le vélo, et à l'extérieur par des footings de manière très simple. Dans le cas où vous n'êtes pas sportif, ce qui est important, c'est de démarrer 2 mois à 3 mois avant votre départ au ski cette préparation de l'endurance. Vous allez simplement sortir 1 fois ou 2 fois par semaine, donc à l'extérieur ou en salle de sport. En salle de sport, vous pourrez également utiliser donc les tapis, les elliptiques ou le vélo. Et à l'extérieur, même chose, ce sera des sorties sous forme de footing ou encore de marche active. Voilà, maintenant vous avez les recettes pour pouvoir vous entraîner, vous préparer correctement. Quoi qu'il en soit, le ski reste quand même du plaisir. Donc ne forcez pas sur votre préparation, en tout cas sur l'endurance. Et l'endurance, n'oubliez pas, reste la base de toutes les activités, quelles qu'elles soient. Donc maintenant, à vous de jouer.